Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfucking bird, Aha! Ah Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. C'est Canadian Stampede 1994, notre pay-per-view qu'on veut faire au Canada, en Alberta, dans la cour de Bret Hart et de la Hart Foundation. On a 10 matchs sur la carte ce soir. Bret Hart va défendre son titre contre Razor Ramon, titre du championnat WWF. Le plus gros titre, euh, gros rematch. Le, le match précédent, ça avait donné un 97, je crois. En tout cas, entre 97 et 99. Donc, euh, un gros rematch nous attend. En Alberta entre les deux hommes, Mr Perfect va défendre son titre intercontinental contre le number one contender Bobby Eaton. Les Steiner Brothers défendent les titres par équipe contre Crush et Yokozuna. Rick Martel va défendre le titre Smoky Mountain contre un des membres du clan Cornette. Euh, on a euh, Ricky Steamboat qui va affronter Diesel. Marty Jannetty contre Cliff Cassidy. Le British Bulldog, Jim D. Volnay et Brian Pillman. Donc la Hard Foundation contre Vader. Et les Edge Shrinkers. La Canam Express devant euh, leurs fans. Phil Lafon vient du coin aussi contre Bigelow et Tatanka. Euh, Randy Savage contre Jacques Rougeau. Et les Heavenly Bodies vont défendre le, les titres Smoky Mountain Tag Team Titles pour la première fois en pay-per-view lorsqu'ils vont défendre contre les Smoking Guns. Donc 5 combats de championnat ce soir pour les fans en Alberta. Euh, je sais pas si ça va être un succès. Je sais pas. Mais faut qu'on fasse 77. Fait que, euh, 80. On devrait être bon pour un 80. Absolument, nos pay-per-views, on est pas mal. 80. Entre 90 et 100. Euh, mais là, au Canada, on est moins populaire. Certains, en fait, certains lutteurs le sont moins. Euh, donc, on espère là, avoir une bonne note. Faire un medal on Dustin Rose et Gerald Briscoe. Pas d'effet. On a dit qu'on voulait être en Alberta. Donc, on s'en va en Alberta pour notre pay-per-view Canadian Stampede. On book ça et on vient avec les résultats. All right, on est prêt pour le Canadian Stampede. On est devant 24 000 personnes en Alberta, au Canada. C'est beaucoup moins de monde qui sont là dans nos pay-per-views aux États-Unis, mais on est beaucoup moins populaire en Alberta. C'est pas grave, on voulait faire un show euh, à Calgary, disons, euh, dans, euh, dans le clan des, des Hard, la Hard Foundation. Donc, euh, en pré de 5 matchs, l'Undertaker va affronter Big Josh et Taker va l'emporter avec un Tombstone Pell Driver en 7,43. Ça donne un note de 76-92 à Taker et 53 à Big Josh Taker. Ça fait euh, deux vues vues qu'on n'a pas de Starline pour lui. Depuis qu'il y a Barry Sid Alive, on dirait qu'on n'a rien pour lui. Il faudrait qu'on trouve quelque chose. Undertaker, quand même. Donc, victoire contre Big Josh. On a par la suite un 8-Man Tag Team Match. Quatre de nos équipes qui viennent d'arriver ouvrent le pas longtemps vont faire équipe. Men on a Mission vont faire équipe avec Express Delivery pour affronter la Forgotten Generation et les Blue Brothers. Ça va se terminer en faveur des Faces lorsque Mabel va défaire Jacob Blue avec un Belly to Belly Suplex. Côté performance, 51 pour Brian Lee, la meilleure des Faces. Eddie Hill, Viano 4 uh, et Wellington Wilkins nous donnent des 55. Ça donne un match de 54. Donc, on utilise quatre de nos jeunes équipes en pre-show. change la gimmick de Mike Kiyoda. OK, uh, Six Men Tag, Solar, Le Patriote et Terry Taylor vont affronter Rod Price avec Lightning and Thunder. Et ça va se terminer en faveur euh, des faits Solar va battre Lightning en 8 minutes 30. Ça donne un 59. 63 pour Solar, qui est de loin la meilleure performance. 53 pour la Patriote et pour Rob Price. 10 men tank team match. Eddie Guerrero, Barry Windham. Dustin Rhodes, Ricky Nelson et Jerry Flynn contre Buddy Landell, Greg Valentine, Paul Roma, Robert Fuller et Jimmy Golden. Ça donne un bon 10 man tag qui va se terminer lorsque Barry Windham va battre Robert Fuller avec un superplex. Côté performance, 86 pour Windham qui est la meilleure performance des faces et 66 pour Paul Roma qui est la meilleure performance chez les heels. Ça donne un 72%. Et le dernier match de push, on un six-man tag entre le 1-2-3 Kid qui va faire équipe avec Hakim et avec Adam Bomb pour affronter Rick Rude, Kama et IRS de la Corporation. Et ça se termine à 8-40 lorsque IRS va battre le 1-2-3 Kid avec son stock market crash. Ça donne un 76-68 pour Hakim et chez les Beaucoup mieux. 88 pour IRS, 91 pour Rude et 82 pour Kama. Beaucoup, beaucoup d'amélioration dans ce match-là. Excellent. On ouvre le show avec notre match entre le match man Randy Savage qui va affronter Jacques Rougeau. Donc Jacques Rougeau qui se bat au Canada mais se bat bon en Alberta. En Alberta, il va pas aimer tant que ça les, euh, les Québécois. Mais euh, Randy Savage donc contre jean Rougeau. Euh, Savage qui veut Shawn Michaels. Shawn Michaels qui est en vacances après la, la perte de son titre. Et Jean Rougeau voulait un match. Donc on a fait Randy Savage contre jean Rougeau au Canada. Euh, Rougeau qui avait piné le number one contender dans un match tag team pour le titre Intercontinental. A réussi à avoir un gros match en pay-per-view à cause de ça. Eh bien, le match au man, Randy Savage va mettre la foule dedans. Dans l'opener, lorsqu'il va battre Jacques Rougeau avec la descente du coude de la troisième corde. 93 pour le match. Euh, bon match de opener. 89 pour le match man et 78 pour Jacques Rougeau. Donc, match man qui va d'une victoire contre Jacques. En commençant, on est par la suite backstage avec Bret Hart. Bret Hart qui est avec son père, Stu Hart, qui est là. Et. Euh, Bret va euh, être avec sa famille, toute la gang de, de la famille Hart. Et Bret va faire une promo sur Razor Ramon. Il va dire, Razor Ramon, c'est un gars qui m'a donné, qui a donné toute une performance là, à Fully Loaded. Et, et j'ai accepté de donner le rematch. Euh, Razor a, a mis euh, le fait qu'il ne va plus jamais m'affronter s'il n'est pas capable de me battre pour le titre. C'est tout à son honneur. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu t'affrontes pas juste Bret tu t'affrontes 24 000 personnes. À Calgary, qui sont toutes des amis de Bret Hart. Donc, ça va être difficile pour Razor. Belle promo de Bret qui donne un 100%. Ce sera le main event plus tard. On a le match Tag Team pour les titres Smoky Mountain Tag Team Champions. Les Smoking Guns qui, euh, qui ont réussi à avoir un title shot contre les Heavenly Bodies après que Rick Martel ait, euh, ait demandé euh, à Jim Cornette. Euh, ainsi, pour que Cornet puisse avoir un de ses clients qui challenge Rick. Et euh, les Smoking Guns contre les Heavenly Boys, ça va donner un bon match de 10, euh, en 17-27. Euh, Billy Gunn va pas assez proche d'aller chercher la victoire, mais euh, Jim Cornette va donner le coup de la raquette dans le dos de Billy Gunn à moment donné, et euh, ça va se terminer avec le Boston Crab de Tom Pritchard sur Billy Gunn par la suite. Billy Gunn va devoir abandonner. Jim Cornette qui fait des scènes encore une fois et les Heavenly Bodies vont garder leur titre, donc ils vont rester Smoky Mountain Tank Team Champions. On aime bien leur travail. En milieu ou bas de carte dans les tag teams. Billy Gun améliore ses technical skills avec ça. Ça donne un 77. Rick Martel par la chute fait une promo. Martel qui dit ah, c'est dommage. Euh, O'Curlon oh va dire Ah ouais, Martel, c'est dommage. Ton, tes, tes boys les smoking guns n'ont pas réussi. avec tes anciens boys, les Heavenly Bodies, ouais, écoute, ils ont donné une bonne performance, Billy et Bart. C'est une équipe qui va gagner. Ils vont gagner des, euh, des championnats là, en équipe certainement. Et malheureusement, n'était pas ce soir. Il dit par contre ce soir, il dit, ben écoute, moi je vais affronter euh, un des membres du clan Cornette. Il dit, je suis devant, euh, de, devant mes fans au Canada. Je sais que la foule va être avec moi. Puis, euh, Meijin, il dit, tu ne penses pas que tu as fait une erreur là, de donner euh, un title match? Puis là, Martel dit, écoute, j'ai donné des title matchs à, à plein de monde depuis le début. Euh, j'ai beaucoup de défense de titre. On essaie de donner du prestige à ce, ce titre-là du Smoky Mountain, même si je n'ai jamais moi-même lutté pour la Smoky Mountain. Euh, Écoute, donc voilà, Rick Martel qui vient bien confiant, dommage pour les Smoking Guns, mais Martel, toujours champion, il va défendre son titre un peu plus tard. Par la suite, Ricky Steamboat s'amène sur la rampe pour son match et dès qu'il arrive sur la rampe, Diesel va attaquer Steamboat, va donner un coup de la cordage en arrière de la tête à Ricky Steamboat et va commencer à le lancer dans le décor. Va le trimballer un peu, euh, pas loin de la foule là, sur le stage. Et euh, Steamboat, à un moment donné, va réussir à revenir, à revenir un petit peu. Mais Diesel, qui, qui, qui avait vraiment surpris Steamboat, coup de genou dans le ventre à Ricky Steamboat, va se placer et va faire un Jackknife Powerbomb à Ricky Steamboat sur le stage. Et le Ricky Steamboat va devoir être amené euh, par euh, le docteur qui va venir. Uh, checker Steamboat. Steamboat, uh, l'affaire c'est qu'il y a genre 80 de popularité aux États-Unis, mais au Canada il est vraiment bas pour une raison que j'ignore. Donc on je me suis dit, on va mettre ce match-là à SummerSlam Summer à la place. Je voulais mettre le match au, à Canadian Stampede, mais j'ai fait un changement de match que j'avais à SummerSlam, donc c'est bien correct. Donc on va faire une angle comme ça Diesel et Steamboat, la rivalité va continuer. Donc Diesel qui attaque Steamboat avant le match. On a notre six-man tag team match par la suite, la Hard Foundation, le British Bulldog, Brian Pillman et Jim D'Anvil. Night Art vont affronter Vader, Samu et Fatou des Head Shrinkers. Et là, comme on s'y attendait, un petit match pour les Faces, les Little Heart Foundations devant leurs fans vont aller chercher la victoire en 18-25. Le British Bulldog va terminer ça avec un running power slam sur Samu. Euh, côté performance, 82 pour Nider, 69 pour Pillman, 91 pour le Bulldog, 73 et 72 pour les Heels. Vader n'a toujours pas été pin ou submit, mais il y a quelques défaites en équipe notamment. Donc voilà victoire de la Heart Foundation. Par la suite, Earthquake s'en va dans le ring. Earthquake il dit j'ai demandé là. J'ai demandé un match, c'est ce match-là que j'ai ajouté. Earthquake, il dit J'ai demandé, je te dis, garde, John Tenta, c'est un Canadien. J'ai pas de match sur la carte. Là, j'ai dit Je m'en vais pas d'ici tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'affronter. Et la musique de Typhoon va se faire entendre. Donc Typhoon va faire son retour pour affronter son ancien partenaire, Earthquake. Ça donne un 76. Et le match me donne juste un 81. Malheureusement. Et voilà, bon. Et euh, Typhoon, donc, il fait son retour. Typhoon qui était fatigué après ce match-là de 18 minutes, c'est trop pour lui, vraisemblablement. Euh, Earthquake va l'emporter avec son Earthquake Splash. Typhoon va donner euh, une bonne performance à son retour. Mais Earthquake est trop dominant ces temps-ci. Earthquake qui va réussir à battre son ancien partenaire Typhoon avec son Earthquake Splash. Donc, Earthquake qui paraît encore une fois très très fort. Ça donne un 81, 76 pour Typhoon, 84 pour Earthquake. Typhoon qui va, qui va glisser dans la carte probablement à cause de la séparation des Natural Disasters. Euh, donc voilà, 81 pour le match. Earthquake qui continue de gagner des points. Mr. Perfect fait une promo par la suite pour son match tantôt contre Bob Eaton. Il dit là c'est fini l'amitié les, les, avec moi et Bob Eaton pour ce soir. Dis-moi, Peyton, on a commencé à peu près en même temps dans le business. On est deux gars qui se respectent énormément. Mais ce soir, quand c'est pour le titre intercontinental, le respect, ben, on laisse ça de côté et euh, on va donner un, un grand match là, de lutte pour la foule ici au Canada ce soir. Donc 100% pour la promo de Mr. Perfect. On a notre Tank Team Match par la suite. La Canam Express va affronter Bam Bam Bigelow et Tata. Tatanka, Bam Bam, qui euh, depuis un bon bout de temps fait des siennes, a réussi à battre Lex Luger en singles competition le mois passé à Fully Loaded et en équipe avec Tatanka, ça va très bien pour eux aussi. Les canam qui les ont un peu chercher au courant du mois pour leur action contre Luger. Et voilà le match. La Canam affronte Bigelow et Tatanka. Et euh, ben malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour Phil Laffont qui lutte devant ses fans. Les Heels vont gagner. Bam bam Bigelow va défaire Doug Furnace avec la descente de la tête. Un bon 89 pour Bigelow. 74 pour les deux membres de la Canam et 68 pour Tatanka. Furnace s'améliore et bam bam s'améliore avec ce match-là. Un bon match de la Canam contre Bigelow et Tatanka en pay-per-view. Par la suite, Rick Martel est sur le ring et Jim Cornette arrive et Jim Cornette introduit le nouveau membre du camp Cornette et c'est lui qui va accepter la chance au titre Smoky Mountain ce soir, nul autre que le Black Heart Owen Hart Owen Hart d'avant à Calgary et Owen Hart va se faire hurler pas à peu près d'être avec Jim Cornette même si c'est un gars de la place. Donc, Owen Hart qui arrive et qui va envoyer chier la foule des gros fuck you au monde dans la foule. Owen Hart qui arrive avec Jim Cornette. Donc voilà, nouveau client pour Jim Cornette et le camp Cornette. C'est temps d'avoir un gros gars dans les singles competition 90 et le match va donner un 96. Owen Hart et Rick Martel, a tout un match technique. Ils sont déjà affrontés il y, quelques, il y a quelques temps, il y a un an et demi à peu près. Mais là c'était Martel qui était champion intercontinental puis Owen commençait avec nous. Et euh, maintenant, ben c'est Rick Martel, il est champion Smoky Mountain et euh, Martel va perdre son titre de la Smoky Mountain. Ça prenait un gros gars avec Jim Cornette pour aller chercher ça. Owen Art va battre Martel avec euh, avec le sharpshooter, hein, bien sûr, pour écœurer le monde. En fait, Jim Cornette va arriver pour donner le coup de la raquette à Martel. Martel va le voir venir, il va donner un coup de poing à Cornette. Il va voir Jimmy Delry, à qui il va essayer de monter de l'autre bord. Il va se lancer de l'autre bord, close line à Delry, qui va euh, tomber. Là, L'arbitre va être aux au prises avec ça. Et euh, Tom Pritchard va donner un coup de raquette, sans la tête à Martel. Après ça, Winard va en profiter pour faire son Enzi File a sharpshooter et Rick Martel va devoir abandonner nouveau champion Smoky Mountain et nouveau client de Jim Cornette le Black Heart One Art 96 pour le match tout un match Martel améliore sa performance donc Martel comme je dis souvent, un des gars qui s'est le plus démarqué depuis le début de notre playthrough. Et va perdre son titre contre Owen Martel, qui a défendu le titre très souvent, qui a monté beaucoup le prestige. Maintenant, un match de 96 pour le Smoky Mountain Wrestling Title. C'est beaucoup. Et voilà, 96. Par la suite, c'est l'entrée des Steiner Brothers pour le match des titres par équipe. Donc, grosse entrée de Rick et Scott pour euh, hyper les fans. Et le match va nous donner un bon 92. Les Steiner Rudders vont défendre contre Crush et Yoko. Et comme Crush et Yoko avaient dit là, au courant du mois, les Steiner ne sont pas habitués d'affronter un gars aussi gros que Yoko, puis un gars aussi grand et fort que Crush. Ça va paraître parce que Crush et Yoko vont dominer quand même une bonne partie du match. Et. Euh Money Rick Steiner va donner le tag à Scott Steiner. Scott Steiner va arriver dans le ring comme un malade. Va réussir à donner clothesline à Crush. Clothesline à Yoko. Body slam à Crush. Et là, Yoko va arriver proche de Scott Steiner. Scott Steiner va prendre Yoko. Boom, Body slam à Yokozuna. La foule capote. Yokozuna va rouler à l'extérieur du ring. Yokozuna qui s'est jamais fait prendre de même dans ses bras. Boom, Garrochant à terre vers Scott Steiner. Le Genetic Freak. Et euh, finalement, ben. Euh, Crush va, va être le legal et Crush va se manger le Steinerizer. 8ème défense de titre des Steiner. Donc euh, voilà, 100 pour les deux membres des Steiner Brothers 83 pour Yoko. 80 pour Crush. Yokozuna améliore ses technical skills. Yokozuna, c'est un gars qui est rendu à, à des bonnes performances. Ça fait qu'on l'a bien monté. Mais euh, ben voilà, c'est pas lui qui subit la défaite, bien sûr. C'est Crush qui va ramasser le pin. Bon match de 92. Earthquake fait une promo backstage après. Earthquake il dit, je l'avais dit, regarde, chez nous au Canada, j'ai réussi à battre mon, mon partenaire Typhoon. J'ai battu le Big Bossman. Il dit, la seule affaire qui me reste à faire, c'est de devenir champion du monde. Euh, et je pense qu'il ne pourra pas me refuser. Là, avec toutes, mes, avec toutes mes, euh, mes récentes grosses victoires comme ça, Canadian Stampede, JJ Dolan est bien mieux de me donner un title match. Je vais aller le voir. Euh, demain à Monday Night Rush va confronter JJ, donc Earthquake là, qui parle du Bossman, parle de Typhoon et dit qu'il voudrait une chance au titre contre Brett ou contre Razor Ramon ça donne un 99 les New Rockers implode Marty Jannetty affronte Leaf Cassidy et euh, Marty Jannetty va aller chercher la victoire contre son ancien partenaire Cassidy qui est très 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 healish, le travail travaille très bien, très vicieux, mais à un moment donné, Jannity va réussir à reprendre le contrôle et gagner avec son rocker dropper en 17 minutes 41. Donc, bonne performance pour Janetty qui nous donne un 79 et 70 pour Leaf Cassidy. Les New Rockers ne sont plus et Marky Janetty gagne la rivalité contre Leaf Cassidy. Peut-être pas terminé, mais pour l'instant, ce lay, 83. On a une vidéo par la suite, une euh, vidéo qui nous parle euh, de la rivalité entre les Legion of Doom et les Brainbusters. Legion of Doom sont blessés présentement. Les Brainbusters sont suspendus pour leur geste euh, puéril qu'ils ont causé euh, au Legion of Doom. Et on nous montre un petit peu euh, l'histoire de ces deux équipes-là. Ça donne un 90. Mr. Perfect va défendre son titre intercontinental contre Beautiful Bobby Eaton et Perfect va l'emporter clean en 17-53 lorsqu'il va faire le Perfect Plex à Bobby Eaton qui va perdre de cette façon. Ça donne un 84, juste un 60 à Eaton, mais je pense qu'Eaton est surtout populaire dans le sud des États-Unis, en sud-est, même en Floride, dans ce coin-là. Euh, Perfect est populaire partout. Donc, Mr. Perfect l'emporte. Deuxième défense de titre. Perfect améliore ses performances avec ce match-là. Bret Hart fait son entrée par la suite, donc on a une petite entrée spéciale avec le drapeau du Canada, le drapeau de l'Alberta, donc une petite entrée pour, euh, pour hyper les fans, et là les fans devraient être, euh, devraient tous chier dans leurs shorts, hein. Bret Hart en Alberta c'est comme un, quasiment un dieu, il euh, y a des membres de la famille Hart qui sont là ringside, Stu Hart qui est là avec sa femme, et tout le monde est là, je pense que c'est Helen la mère de Bret, me en tout cas 100% pour l'entrée de Bret et le match va nous donner un autre bon match de 97. Razor est un peu moins populaire, peut-être au Canada euh, qu'il était aux États-Unis. Et encore une fois, en 25 minutes à peu près, Bret Hart va réussir à battre le bad guy Razor Ramon avec un sharp shooter euh, cette fois-ci. Donc Bret Hart a fait un petit peu la même manœuvre là, pour essayer de piner Razor. Razor a dégagé cette fois-ci. Euh, et euh, Razer va pas réussir à apporter son Razer's Edge à Bret Hart. Bret Hart qui trouve toujours un counter pour euh, contrer la prise à Razer. Et euh, après euh, deuxième tentative de sharpshooter, Razer va devoir abandonner et Bret Hart va gagner. Donc ça se termine comme ça. L'Art Foundation, la famille Hart vont tout aller sur le ring. Ils vont remercier la foule. Donc un petit pay-per-view feel-good pour le Canada qui nous donne un, un excellent 97. Top Shape. Owen Art à son retour nous a donné tout un match et je veux féliciter Rick Martel aussi pour tout son bon travail. Euh, et qui d'autre qui mériterait nos félicitations Earthquake, Earthquake. Earthquake qui a bien fait aussi. Great performance pour les trois gars. Donc c'est un succès euh, notre pay-per-view au Canada. Faudrait essayer de faire pay-per-view dans un autre pays que les États-Unis aussi éventuellement. Le prochain pay-per-view, c'est Summer Slam. Donc, le plus gros pay-per-view de l'été. J'ai pas tout à fait finalisé. Euh... Oh, il est blessé, le pauvre Frank Henderson. Je pas toujours finalisé euh, les rivalités ou les storylines que je vais faire pour Summer Slam. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais euh, En tout cas, Kane Stampede, c'était un bon succès. Hein? On est content de ça. On a fini premier aux États-Unis et premier au Japon ce mois-ci donc euh, excellent, excellent, excellent. Donc voilà. Owen Hart a maintenant joint le Clan Cornette et j'ai rajouté Owen Hart au Clan Cornette. Owen Hart et maintenant le Smoky Mountain Heavyweight Champion avec un prestige de 90, Rick Martel a eu 13 défenses de titre après les 4 de Paul Orndorff. Donc Martel 13 défenses de titre. Les champions de tag team Smoky Mountain, c'est toujours les Heavenly Bodies qui ont monté le prestige de la belt qui était comme à 40 quand je l'ai eu. Euh, on, on a acheté la belt en fait qu'on avait oublié de, de garder. Prestige de 71. Bret un prestige de 100 avec 4 euh, défenses de titre. Le champion continental Mr. Perfect, 2 défenses de titre, prestige de 95. Et les champions par équipe, prestige de 92, 8 défenses de titre pour les Steiner. Et là, c'est tous des Faces, nos champions, à part Rowan. Ben Owen et Levenly Bodies, qui sont les champions euh, du Can Cornette. Donc, voilà pour euh, Canadian Stampede. On se revoit pour Monday Night Raw dans la prochaine vidéo et on s'en va à SummerSlam. On est on, on the road to SummerSlam. Merci d'avoir été là tout le monde pour le Canadian Stampede. bonjour Bye bye.